J'ai décidé de rassembler la totalité des éco-entreprises de France. Elles sont 12 000. Celles qui sont déjà dans des réseaux, il y a 40 réseaux en France à peu près, sont pour l'essentiel rassemblées dans l'EPEX. Encore faut-il faire le travail pour les 6 000 autres qui ne sont encore pas dans des réseaux et donc pas dans l'EPEX. C'était de faire un club de clubs. Tête de réseau, aujourd'hui, c'est la terminologie. C'est ça, ma décision. Les rassembler pour peser, pour être plus vite, pour créer de l'emploi. Dans le domaine de l'environnement, c'est deux fois payant. Payant parce qu'on trouve de l'emploi. Deuxièmement, payant parce qu'on sauve, on résout les problèmes environnementaux. C'est parce que l'environnement est devenu maintenant un vrai problème de la survie de la planète, parce qu'on est aux limites de nos ressources. Pas aux limites, on les a dépassées, puisqu'on pompe plus sur la Terre que la Terre ne peut fournir, en eau, en énergie, en ressources au sens large. Là, on a des entreprises qui sont susceptibles de résoudre ces problèmes. Ça, c'est quand même important. C'est-à-dire, nous avons des solutions à ça, et nous sommes certainement une des filières d'avenir de la planète. La planète vivra si nous, on réussit aussi. Tout ça, on l'a fait avec très peu de moyens, en autarcie, avec très peu de moyens, que de la bonne volonté. Moi, je suis totalement bénévole, 100% de mon temps offert à la nation pour ça. La première chose, c'était que nous n'existions pas. Qui nous sommes? Combien nous sommes? Alors, la première chose, c'était de revenir à quelle définition? C'est quoi les éco-entreprises? Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait aller vers la définition même, pouvoir dire, bon, on est une filière, on est qui, et on se compte, comment on se compte? Eh bien, c'est à partir de définitions d'Eurostat acceptées par l'OCDE que cette définition est devenue mondiale. Aujourd'hui, tous les pays se comptent avec la même définition. Les entreprises qui préviennent ou réparent les atteintes à l'environnement. La première fonction, c'était de les faire exister la filière, de faire en sorte que la filière ne soit pas résumée à ses leaders, et faire en sorte ensuite qu'à l'intérieur de ces entreprises, nous puissions les aider, notamment sur leur territoire, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans le centre, partout, sur les îles, etc. Puis une fois qu'on a existé et défini, c'était le développer, et là, j'ai mis en place des outils de développement qui sont extrêmement simples, qui sont les outils de développement de l'entreprise. Nous avons fait des guides du financement. Nous avons demandé à des financiers, alors là, beaucoup plus que 20, tous les financements publics, nationaux et territoriaux, parce que c'est compliqué. On a fait la même chose sur l'innovation, donc des guides, des repères qui facilitent la vie de l'entreprise. Voilà, ça, c'est des actions très concrètes, puisque vous voulez. Et puis, on fait on fait annuellement le forum des éco-entreprises, ça se passe à Bercy. Cette année, Madame Royal et Monsieur Macron vont venir et on essaye de profiter de cet écosystème pour valoriser le travail de nos filières et dire nous existons, nous sommes sur les territoires et nous agissons et nous créons de l'emploi. Voilà, donc c'est concret, hein, des manifestations, des publications, de l'interclusionnel avec des réunions, des rencontres très spécialisées sur le financement, l'innovation, donc c'est très concret. Je rajouterais pour des filières en particulier, il y a quand même l'idée de structuration de ces filières en plus, se rajoute en plus des aides individuelles aux entreprises ou aux réseaux d'entreprises, comment on peut structurer et aider à faire des réseaux et à animer de l'inter-réseau. Ça aussi, c'est devenu une spécialité de faire de l'inter-réseau, de l'inter-clustering, on dit avec le mot anglais, pour en faire en sorte que chacun de ces clusters ou réseaux fonctionne. Donc c'est de l'économie latérale. C'est beaucoup vendu, mais c'est assez peu fait. Nous le faisons et c'est pas connu. C'est de l'économie latérale. On s'est compté et on s'est fédéré. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, maintenant il y a une filière, elle est portée par une association de clubs et tout le monde est là-dedans. Au niveau d'un territoire, nous pouvons peser grâce à nos réseaux. En tout cas, nos réseaux peuvent être des interlocuteurs. Et au niveau national, c'est plus facile de venir serrer la pince à une fois pour toutes aux têtes de réseau. Si vous serrez la main à 40 réseaux, c'est plus facile qu'à 6 000 ou 12 000 entreprises. Donc, c'est plus facile. On peut raconter une histoire parce qu'on se connaît mieux et on peut mieux définir nos besoins et aussi progresser sur nos progresser. Par exemple, le dire qu'il y avait 12 000 éco-entreprises, que les éco-entreprises ont un développement et qu'elles se développent dans tel et tel secteur et qu'elles sont régionalisées, fait que les acteurs ne pouvaient pas dire « je mets tant d'argent dans le secteur des éco-entreprises, vous n'existez pas ». Alors que là, on dit « c'est un secteur d'avenir, il faut mettre de l'argent là plus qu'ailleurs ». Et dans quoi? Dans ce secteur bien défini et bien comptable. Alors qu'avant, on n'existait pas vraiment. Si vous n'existez pas, on ne peut pas vous aider. Alors ça, c'est pour les pouvoirs publics, ça compte. Hein. Ça compte parce que finalement, des acteurs publics, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Industrie, l'ADEME, on trouve plutôt plus facile d'avoir une porte d'entrée
Donc, c'est pas les ministres viennent à nos réunions, peuvent nous écouter plus facilement. En région, nos clusters qui appartiennent au PECS se sentent légitimes également, en appartenant à cet ensemble de réseaux, peuvent dire à leurs administrations, vous voyez, nous, on est le réseau du territoire représenté au niveau national, et nous parlons au niveau de la région, Bretagne, ce réseau de Bretagne, nous parlons de la Bretagne, dans ce réseau au niveau de la France, et nous défendons les intérêts, nous faisons savoir ce que nous faisons, nous, spécialement en Bretagne, par exemple. Hein, par exemple, le méthane, les énergies marines, voilà. Donc, vous voyez, les régions aussi ont un intérêt à bien montrer ce qu'elles font de façon différentielle. Par exemple, il y a un réseau qui nous a rejoint, il dit « Ah, j'ai végété pendant des années, je ne savais pas que vous existiez, j'ai rejoint le réseau, j'ai gagné, j'ai fait en un an le travail que j'ai mis 4 ans à faire. » Parce que tout de suite, j'ai été pris en charge par les collègues, autres réseaux, qui m'ont tout de suite débroussaillé mon chemin pour m'éviter les embûches que chacun avait déjà eu l'occasion de... sur lesquelles chacun avait eu l'occasion de trébucher. On en a aujourd'hui plus de la moitié des éco-entreprises qui sont rassemblées dans des clubs, ces clubs appartenant au PECS, donc on rassemble 6 000 des 12 000 éco-entreprises. On a un annuaire, mais dans chaque annuaire, on dit combien il y a d'entreprises, quelle est la mission du cluster, combien il y a d'entreprises qu'ils ont représentées, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles cherchent. Et puis après, on fait des réunions entre ces réseaux. On va bouffer ensemble, on fait une petite réunion, on fait ce qu'on appelle l'interclustering, et chacun donne les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui fait qu'un réseau s'est bien développé et souvent, ce qui est le plus intéressant, c'est pourquoi certains réseaux ont eu des difficultés et se sont plantés. Il y a un site internet. Il y a des publications, par exemple, tous les réseaux font une page ou deux et on fait un annuaire. On a aussi, avec des magazines, fait des inventaires d'entreprises qualifiées avec leur métier, donc milliers d'entreprises. Donc des inventaires plus larges, entreprise par entreprise, avec leur métier, la partie export, leur spécialité, etc. Il y a le plaisir des acteurs à se sentir utile, être crédible, être valorisé dans son travail. Chacun d'entre nous est content d'être valorisé dans son travail, content que la mission qu'il a progresse. Par exemple, le réseau dans le nord de Mme Blandin que j'ai cité, ils ont 650 entreprises aujourd'hui dans deux, trois départements, hein, juste dans le nord, comme ça, hein, vous voyez, dans le nord de la France en géographique. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on peut rassembler des acteurs, les faire se développer. Les entreprises progressent, créent de l'emploi réellement. Donc, pas sur tous les secteurs de l'environnement, mais quand même sur un certain nombre d'entre eux. Chacun expose ses bonnes pratiques en disant « moi, j'ai réussi un coup merveilleux, je travaille avec le Brésil, moi, j'ai obtenu des financements de cette nature, moi, mes entreprises se développent ». Donc chacun explique quelles sont ses bonnes pratiques, il les fait partager aux autres, et puis on partage aussi les échecs. Et ça permet à chaque réseau d'aller plus vite. Et donc on raconte que, hein, par exemple, il vaut pas aller chercher les fonds européens qui sont extrêmement complexes à gérer, qui ne donnent pas l'argent tout de suite, qui en général vous plantent et vous envoient au casse-pied, vous tuent quoi en gros. Il y a des aides qui vous tuent, hein. Il y a des médicaments qui tuent, bon voilà, ça, voilà, il y a des aides qui tuent parce qu'elles sont trop complexes, demandent trop d'investissement, elles sont pas efficaces, elles sont pas sérieuses, elles sont pas pérennes, etc. Donc on raconte ça entre nous, on dit voilà, fonds européens, oulala, on en a 10 qui sont plantés, tu veux bien y aller, tu peux y aller, hein. Il y en a un ou deux qui a réussi, mais tiens, il y en a un qui a réussi, comment tu t'y es pris? Ah, c'est une affaire de personne, ou j'ai fait gaffe, j'ai bien préparé mes dossiers au début. Et donc à chaque moment, on échange ces bonnes pratiques, on voit la difficulté de certains types de réseaux, que les politiques publiques sont aléatoires. Les chambres de commerce ont des difficultés, les pôles de compétitivité, l'État les finance plus, ou de moins, pas plus, mais de moins en moins. Donc on a compris, dans un nombre de réseaux, qu'il fallait trouver des ressources autres, quel type de ressources, quels sont les risques avec ces ressources-là, plutôt que d'autres. Donc les moyens de vivre, les moyens de survivre, toujours pour servir les entreprises et l'emploi dans les entreprises. Donc c'est ça qu'on appelle l'interclustering, c'est une action. Ça s'appelle l'interclustering. Comment, par des échanges de bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques, on peut progresser et aller plus vite soi-même, se protéger, déjà survivre, se protéger et grandir. Ça, c'est une action, un type d'action. Notre type d'action, c'est innovation dans l'entreprise. Les boîtes qui sont vivantes, c'est déjà des prouesses actuellement, donc elles sont déjà très, 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 très innovantes. Vivre aujourd'hui pour une entreprise, c'est déjà très innovant. Ces instituts Carnot, par thème bien précis, on dit ce qu'ils faisaient en 5 minutes,
Et nous avons choisi, nous, l'EPEX, l'Association des éco-entreprises de France, des entreprises qualifiées susceptibles d'être intéressées par ces entreprises. Elles les ont écoutées. Puis après, elles se sont mises en B2B, en tête-à-tête, dans une petite salle à côté, pour dire « ça m'intéresse ce que tu m'as dit, et par quoi telle raison ?» Et ils ont fait affaire. Il y a souvent une déconnexion entre le monde de la recherche publique et la mise sur le marché de produits. Les entreprises, elles, sont totalement dans le marché, les chercheurs sont totalement dans la recherche. C'est de faire converger ces deux systèmes pour que les chercheurs trouvent d'ailleurs des zones d'expérience et des partenaires et pour que les entreprises trouvent des bonnes idées pour améliorer leur performance. Donc ça, c'est gagnant-gagnant. Normalement, c'est gagnant-gagnant. On va rassembler une vingtaine de financiers, de ce qu'on appelle financeurs plutôt. Il y a des fonds dont le métier est d'aider les entreprises en termes de financement. Donc là, ce qu'on appelle la capitalisation du haut de bilan, c'est-à-dire qu'elles investissent dans des boîtes pour les aider à se développer. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ces fonds, c'est d'une grande complexité, d'une grande hétérogénéité. C'est un monde en soi. Et pour une entreprise qui cherche de l'argent, face à ce monde, elle est paumée et elle ne peut pas rencontrer en une journée 10 financeurs. Nous, ce que nous avons fait, nous avons inversé, nous avons demandé à des financiers de venir exposer ce qu'ils faisaient dans la salle d'une centaine d'entreprises et à la fin du B2B, comme tout à l'heure, où des financeurs ayant explicité leurs objectifs et ce qu'elles visaient, quels moyens, etc., et ce qu'elles faisaient, et des entreprises qui étaient à un certain stade de développement avec un certain besoin, se sont rassemblées après cet exposé dans des salles, après que l'EPEX les ait qualifiées. Et donc, on a fait aussi du B2B sur le financement, permettant d'aller très très vite. Une entreprise donnée pouvait voir 10 financeurs en une journée. Elle aurait peut-être mis 10 ans pour en voir 10. Donc, c'est un changement de méthode. On voit bien qu'à ce moment-là, nous renversons le rapport de force, entre guillemets, au lieu d'être dans la demande, on est plutôt dans l'offre. Ils ont besoin de nos entreprises pour investir. On n'a pas besoin de leur argent seulement. Donc, nous sommes leurs clients. Donc, en renversant la problématique, le rapport de force, on peut peut-être vivre différemment la relation avec ces donneurs de services. L'argent est au service de l'entreprise. Nous sommes une industrie qui fournit des services et des solutions aux autres industries pour elles se verdir. Nous, notre métier, c'est la protection de l'environnement. Les autres industries, si elles veulent être performantes et se verdir, elles ont besoin de nos savoir-faire. Nous pouvons aider ces filières à être plus performantes si elles font appel à nos entreprises. C'est de montrer qu'il y a une différence entre toute l'économie doit être verte et une filière spécialisée qui, elle, a les solutions pour les autres. Ce sont les entreprises qui préviennent ou réparent les atteintes à l'environnement. C'est une définition très simple. Ce sont des entreprises qui vont mettre des capteurs pour empêcher les pollutions ou, quand les pollutions sont avérées, vont les traiter. Une pollution de l'eau, de l'air, traiter les déchets, les énergies renouvelables, le bâtiment, dès lors qu'il est à faible impact environnemental, c'est-à-dire bien conçu, on y vit bien et en plus, il ne consomme pas beaucoup d'énergie. Voilà. C'est l'ensemble de ces métiers, c'est une vingtaine de filières. Mais concrètement, ce sont les gens qui se retrouvent dans les salons professionnels comme Polytech ou quelques salons d'énergie renouvelable. C'est très précis, c'est pas du tout toute l'économie. C'est une activité de l'offre des métiers verts. C'était important, d'ailleurs, c'est devenu une des premières activités en France, hein, qui compte maintenant de l'ordre de 500 000 emplois directs, puis 500 000 emplois verdissants, ça fait 1 million, plus dans le bâtiment, plusieurs centaines de milliers d'emplois, ça en fait une des premières économies. 85 milliards de chiffre d'affaires, 12 000 entreprises, hein, ça commence à compter, et on est exportateur. Donc, et nous avons pour l'essentiel des PME sur le territoire français, puisqu'on irrigue la totalité des écosystèmes territoriaux. Il n'y a que 10-20 grands groupes qui sont concernés directement par les métiers de l'environnement, mais vous avez 12 000 qui sont des petites et moyennes, toutes petites, moyennes et grosses moyennes, on dit ETI, entreprises de taille intermédiaire, qui sont concernées. Donc c'est ça le tissu économique, tissu qu'on ignorait. Donc ça, c'était très important, dire les éco-entreprises, elles sont essentiellement en province, et essentiellement dans nos territoires. Et dans chaque petit territoire, vous aviez vos éco-entreprises. Faites-les vivre. Visant l'emploi,
J'avais un intérêt majeur à faire en sorte que l'on adresse le développement de ces 12 000 entreprises, et pas seulement celles qui sont déjà connues et qui n'ont pas besoin de moi d'ailleurs pour vivre. En revanche, elles ont besoin de l'ensemble des autres entreprises, et la nation a besoin de l'ensemble des autres entreprises pour faire vivre le tissu. Alors les autres entreprises sont l'essentiel, mais elles sont beaucoup moins visibles. Ce qui veut dire que si vous ramenez la totalité de l'écosystème à ces 3 ou 4 connues, vous faites une erreur de casting, puisqu'il faut adresser pour le développement la totalité des 12 000 en filière. Et c'est celle-là d'ailleurs qui crée actuellement le plus d'emplois. Les PME, les ETI qui créent de l'emploi additionnel. Donc si vous dites nous sommes 12 000, c'est pas la même chose de dire que nous sommes 2. Quand on parlait il y a 10 ans des métiers verts, la plupart des acteurs politiques, et notamment les grands, ne pensaient qu'aux grands groupes. Ils citaient volontiers Veolia, Suez, et puis ça s'arrêtait là. Une des choses qui est gênante, c'est notre superstructure nationale, la façon dont la France jacobine est construite. Elle a été construite après-guerre pour construire des champions nationaux, internationaux. Nos élites fabriquées par nos écoles, j'en suis, hein, donc je peux le dire, ont fabriqué l'idée que pour développer les PME, il fallait développer des grandes entreprises qui sous-traiteraient à des petites. Ça n'existe pas. C'est toujours le contraire qui s'est passé. Mais on n'arrive pas. C'est une vieille histoire, une idée reçue qui n'est pas la bonne, qui est fausse, tout bêtement. Comme beaucoup d'idées reçues, elle est fausse. C'est souvent les PME qui tirent les grands groupes. D'ailleurs, par exemple, Apple a toujours compris que ce sont les gens qui faisaient les applications, hein, et les systèmes très géniaux qui sont à l'extérieur de l'entreprise qui ont fait réussir Apple. Apple a simplement rassemblé ses acteurs, hein, de la puce, plus des applis, plus machin. Donc les grands groupes ne vivent que grâce à un écosystème d'entreprises qui ont des savoirs qu'elles ne peuvent pas avoir en interne. Souvent, quand elles les ont en interne, d'ailleurs, elles les tuent. Les plus intelligentes d'entre elles vivent avec un écosystème d'éco-entreprises. Et dans un écosystème, il n'y en a pas un, chacun dépend de l'autre. Et il n'y en a pas un qui est leader. Dans un écosystème, on vit tous les uns des autres. Et donc l'idée un peu habituelle de la France sur des grands groupes, qui aidant les grands groupes de façon condescendante, aiderait les PME et irriguerait le tissu national, est une idée totalement contre-productive, fausse, qui fait qu'au lieu de donner des moyens, en pensant qu'on donne des moyens par le haut, on en récupère par le bas. En fait, ça siphonne entre-temps. Non, il faut taper directement par le bas, donc le PEX, donc ces réseaux d'entreprises, des petites entreprises. Il faut les alimenter en direct avec des outils calibrés pour eux. Et pour les grands groupes, bon, ben, leur vie continue comme ils sont internationaux, ils n'ont pas besoin de nous pour se développer. On peut toujours les aider, mais il ne faut pas que l'essentiel des moyens de la nation soit consacré. Ils représentent 40% de notre économie, 40% de nos ressources doivent leur être affectées, mais 60% doivent revenir aux PME. Et c'est rarement le cas dans nos outils de financement, d'innovation, etc. Je crois vraiment que l'essentiel, c'est de mobiliser les entrepreneurs et de faire en sorte qu'on leur fasse confiance et qu'on leur donne les moyens du développement de leurs entreprises, donc de l'emploi. C'est du bottom-up. Donc c'est la base des gens qui construisent, créent et qui progressent. Chaque acteur doit faire ce qu'il fait le mieux. Vous avez 10 réseaux, chaque acteur doit se spécialiser ou faire le mieux son réseau. Il faut savoir qu'est-ce que font les acteurs, comment les spécialiser et les rendre bons sur leur mission principale. Donc ils élaguent pour tous ceux pour lesquels ils ne sont pas bons et ils perdent un peu leur temps. Voilà. Il faut qu'ils se ressentent sur un ensemble d'activités et qu'ils deviennent les meilleurs dedans pour être efficaces dans la mission qu'ils se sont fixés. Ça, c'est très important. Et ensuite, que c'est ça ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire au lieu de concentrer les moyens au centre, faire un gros association avec plein de moyens qui gèrent des centaines de réseaux derrière. Non, il faut faire ça avec des choses très légères au centre et tout en périphérie. Si on me demande ce que c'est que le PEX, moi je dis ça fait 40 réseaux. Ce n'est pas les quelques personnes au centre qui animent les réseaux qui vont être le PEX. Non, le PEX, c'est la somme des autres qui sont devant et derrière au service. Il y a une petite structure qui essaye de mettre du lien et qui aide à leur service. Donc les réseaux ne rentrent dans une association que si elles peuvent se développer dans cette association et si elles n'ont pas l'impression qu'on leur pique quoi que ce soit et qu'on les démunisse de mission ou d'ambition, ça c'est souvent encore plus important, d'ambition qu'elles ont en propre. Donc surtout, ne pas gêner les acteurs. J'essaye de pas créer de lien de subordination. C'est ça qui fait marcher aussi, hein. C'est-à-dire que je n'ai pas l'ambition de diriger aucun des réseaux. Ils peuvent rentrer et sortir quand ils veulent. Si ça ne les intéresse pas, ils partent. Et là-dedans, il n'y a pas de lien d'autorité.
On laisse les acteurs au niveau financier se débrouiller seuls. Oui, oui, absolument. Pour être crédible face à des chefs d'entreprise, il faut faire plutôt que dire. Donc le faire plutôt que le dire. Je rencontre dans le monde politique que le dire vaut le faire. Moi, je dis le faire vaut bien mieux que le dire. Il faut beaucoup bosser, hein. Il faut bosser, il faut créer, il faut prendre un peu des risques. Que les grands entrepreneurs sont des gens qui se sont faits eux-mêmes. Hein. Ils étaient dans un petit coin un moment, ils ont trouvé une idée, ils ont foncé, ils ont persévéré, ils sont plantés, ils ont recommencé, ils ont persévéré, ils ont réussi. Voilà. En fait, on n'a qu'un seul objectif, hein, c'est l'emploi de nos entreprises en France. C'est augmenter. Moi, j'ai qu'un seul objectif pour toutes les activités que je mène, quelles que soient mes activités, c'est de donner du job à nos jeunes et à nos anciens, à donner du job, trouver des emplois, créer des emplois. En fait, je ne suis pas un entrepreneur, mais dans mes autres fonctions d'animateur de réseau, de autres missions, je veux créer de l'emploi. J'adore ça. L'entreprise est une solution à l'emploi. C'est un credo pour l'entreprise, mais l'entreprise des entrepreneurs, de ceux qui la construisent de leurs mains, des bâtisseurs. Pas forcément de ceux qui la torpillent, qui la pillent en extorquant les fonds qu'elles ont générés. Bon, ça, c'est un autre débat, je ne veux pas rentrer là-dedans. J'aurais pu choisir une carrière politique. J'en avais tous les atouts et j'ai peut-être démarré ma vie professionnelle, ma vie comme militante, tiers-mondiste ou de la cause des femmes quand j'avais 20 ans. Je me suis rendu compte que je pouvais être plus efficace pour changer le monde en étant à la tête d'entreprise. Parce que les entreprises façonnent par l'action le monde. J'avais considéré tout droit dans mes choix personnels, puisque c'est un choix personnel, que l'action en tant que chef d'entreprise pouvait être plus efficace que l'action politique. Je vous donne un exemple simple pour ce qui me concerne. J'étais militant en Guinée-Bissau, proche de Amilcar Cabral, plutôt de son frère, lors de la libération de ce pays à l'indépendance. J'étais directeur général de l'environnement, j'avais 23 ans, hein, ou 24 ans à l'époque. Et je faisais beaucoup, beaucoup d'actions volontaristes, mais il n'y avait pas de moyens, zéro. Et j'étais proche du monde de l'ONG. Quelques années après, rentrant dans Burgea, pour me donner une mission aux îles du Cap-Vert avec de l'argent, 10 millions d'euros, j'ai fait des forages, des galeries, des barrages, organiser une école des mines, faire des bilans sur tous les lots et l'énergie dans la tempête des îles du Cap-Vert, avec un peu d'argent. Et de l'intelligence et de la volonté, je suis arrivé à faire développer ce pays de façon très significative, alors qu'avoir beaucoup de pouvoir politique et proche du monde politique, j'avais été assez inefficace en Guinée-Bissau, où j'avais, avec ma femme, fait un livre. Et là, au Cap-Vert, j'ai fait des galeries qui tournent toujours avec de l'irrigation. C'est juste pour que vous compreniez le virage que moi, je pense avoir vécu à titre personnel et qui fait que je suis en engagement proche du monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, je pense que les PME et les entreprises valent le développement et qu'elles donnent les solutions. Si elles sont bien gérées, elles donnent des solutions. Après coup, je me suis rendu compte que le monde de l'entreprise pouvait changer la nature et la matière plus que le monde politique. Donc c'est ça, ce beau jour. C'est quelqu'un qui m'a dit, si tu apprends ton métier et tu le fais bien, avec l'énergie et l'ambition que tu as, tes ambitions, bien dirigées, tu seras plus efficace. C'est ça le grand changement. Aujourd'hui, par chance, cette structure-là peut être utile à des politiques publiques. Tout le monde parle d'environnement comme relais de croissance. On voit bien ce gouvernement et les précédents voir la question environnementale au cœur de la question publique. Aujourd'hui, il y a un outil qui peut être utilisé comme un accélérateur pour le développement des emplois dans ce secteur. Je n'ai pas la légitimité pour parler de législation, d'influence sur la législation, je ne cherche même pas à le faire. Je me dis l'emploi dans le secteur, toujours la même idée, donc j'ai des entreprises dont c'est le métier de créer de l'emploi. Nous sommes là, acteurs publics, vous avez un levier, profitez-en. Consolidez ce levier plutôt que d'inventer toujours d'autres choses qui peuvent nous perturber. Consolidez-nous. Aidez-nous à le renforcer, à le légitimer encore plus, faire en sorte que les réseaux qui y sont, y trouvent encore plus d'intérêt, faire rentrer les réseaux qui ne sont pas encore à rentrer dedans, même s'ils estiment avoir d'autres choses à dire, ouais, qu'ils le disent dedans, ça ne changera rien, puisqu'ils diront, et qu'on va les aider en plus à le dire mieux. Donc faire en sorte de rassembler, de ne pas être dissonant, et d'utiliser ce réseau en lui donnant des moyens qu'elle n'a pas. Donc je voudrais trouver les moyens de la pérenniser sur le long terme et faire toujours que l'emploi et le développement des entreprises dans les réseaux soient encore plus sécurisés et aillent plus vite.
Mon ambition aujourd'hui, c'est dire, bon, de toute façon, je ne suis pas éternel, il faut penser à ma succession. Il faut que ça soit sécurisé en dehors des fondateurs. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a des tas de pionniers là-dedans. Et de faire que ça tourne, et que ça tourne de façon plus efficace encore. Alors aujourd'hui, ça, on existe, on tourne, on reste fragile par manque de moyens, mais on pourrait être plus efficace et on pourrait être plus sécurisé dès lors qu'on soit mieux reconnu, plus reconnu et reconnu comme tel, comme étant l'acteur sur lequel on peut compter, et que décidément, ayant dit ça, on nous donne des moyens supplémentaires pour être plus efficace. Il faut qu'un jour, on légitime ça. Voilà, vous avez fait ça, bravo, j'en tire aucune gloire, je vais à la plage. Maintenant, on va accélérer ça, on va donner des moyens pour aller plus vite, et d'autres feront de nouvelles missions pour l'emploi en France, pour que la France soit vraiment le pays leader dans les métiers de l'environnement en France et dans le monde.